Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui les filles, j'aimerais bien vous interroger sur l'effet que produisent les prises de sang dans nos corps. Effet vous pouvez observer lorsqu'on est amené à faire une prise de sang dans un labo. Moi, ce que j'observe surtout, c'est l'effet du labo sur nos corps. Dans Ah. le labo, là, je vois l'ambiance et tout, et ça Ouais. a un impact sur nos corps. Ça balance plein d'infos, plein de... Comme si dans le labo, il y avait plein d'égrégores qui circulaient ou d'infos... En même temps. D'infos ouais, qui sont pas cool, quoi. Et je trouve que... Tu vois, là, je vois quelqu'un, c'est comme si c'est quelqu'un qui allait souvent dans un labo pour faire des analyses. Oui. Ce n'est pas autant les analyses que je trouve problématiques de ce que j'observe. C'est l'ambiance qui finit par générer. Je la vois, la personne, c'est comme si elle se rapetissait au fur et à mesure. D'accord. Les infos de maladie, les infos De peur, j'imagine. de tests aussi, tu sais, les tests qu'ils font après, de peur, Donc du coup, c'est pas tant l'examen, enfin l'analyse qu'on vient. ben, le fait d'enlever du sang, oh, pardon. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Karine. Le fait d'enlever du sang de ton corps, Ouais. voilà quoi, le corps il s'adapte, hein. Enfin, pas plus que ça quoi. Ouais. Après, bien sûr, la piqûre elle a fait un trou, bien sûr, mais Mais c'est pas plus impactant que ça. bah, non, c'est les infos que tu reçois quand tu es là-dedans. Les infos que tu reçois quand tu es là-dedans et les infos que vont. En fait, quand tu fais des analyses, c'est important de te couper du lieu et de te couper de ce que tu as donné. Parce que moi, je vois pas effectivement de problématique à ce qu'on prenne du sang, si autant on prend pas trop. Hein. Ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais je ne vois pas de problématique à ça. Par contre, si tu restes connecté à ça, je vois des gens qui restent complètement connectés à ces lieux, eh bien, tout ce qu'on fait sur tes fluides que tu as donnés, alors là, tu peux par contre être impacté. Tu peux récupérer des infos qui sont pas forcément bénéfiques pour toi. Mais c'est Et du puis domaine en de plus. l'information, hein, plutôt. Ouais. D'accord. Et en plus, on t'en prend trop. En fait, une goutte, ça suffirait, quoi. On t'en prend pour faire des tests, tu vois, par exemple, je vois des tests, quelle race t'es, d'où tu viens, machin et tout. Et du coup, c'est ça qui va redonner des infos à toi. C'est très important. Enfin, il y a Ah certains oui. mots, ouais, comme si moi je les voyais, effectivement, une goutte suffit. Et il y a toute une partie qui est envoyée à je sais pas où, ailleurs du labo, Ouais. qui va dans des bases de données. Et ça, c'est problématique. Ouais, Oui, c'est ça en fait le problème. D'accord. Parce qu'en fait, on ne se coupe pas d'avec Ouais. ce qu'on nous a prélevé, en fait. Ouais. Parce que ça a notre info, en vrai. Bien C'est comme, sûr. tu vois, tu prends une feuille d'arbre, quand elle est, tu viens de la prendre, elle est toute neuve et tout ça, ben, quand tu observes la feuille d'arbre, tu es en mesure, de dire en vrai d'où elle vient, à quel arbre elle appartient. Tu te connectes à l'arbre. Là, c'est pareil. Ça, c'est pareil, Là, et oui. c'est ça qui va pas. C'est pas le fait de donner un bout de ta peau ou ça, en vrai. Dire tu peux te couper, perdre du sang, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Tu peux dire tu te fais un
tu fais un peeling là au gant de crin, tu vas perdre plein de peau morte, Bah oui. vas perdre des cheveux, voilà. Mais c'est plus ce qu'ils vont faire avec tout ça et les connexions qu'ils vont maintenir. Et je vois que dans le subtil, en fait, ils entretiennent les connexions, dont la capacité de pour dire, mais c'est comme vous voyez, ils ont une cellule d'une personne, et ils ont la capacité d'interagir avec la cellule et d'envoyer de balancer des infos à la personne qui ne s'est pas déconnectée. Oui, c'est ça. Très intéressant en vrai. Ah oui. Non, mais ça va loin, hein. Ça va loin, ouais. Du coup, là, je... Ah, puis les bases de données, là, tu vois, là, j'observe les Ben bases de oui, données. c'est ça. Et bien, du coup, tu vois, il y en a certains, ils sont rangés, je vais dire n'importe quoi, mais dans les dépressifs, dans les pauvres, et bien, ça connecte à ça. Eh oui. Tu vois? Ouais, c'est. Ouais, du coup, c'est super intéressant. Alors, y a quelque chose qui me vient là, finalement. C'était pas le sujet vraiment, mais là, je me dis, toutes ces personnes qui se sont à ce point à donner au test PCR à une certaine époque. Mais après, il y a des gens qui se demandent pourquoi personne ne réagit. Tu as juste la réponse. On n'a pas besoin d'aller au bout de ta question. Eh ouais. Ouais, C'est tout ramassé. c'est ramassé, c'est classé. Tu vois, c'est comme si, de ce que je vois, moi, symboliquement, c'est une grande et belle bibliothèque, super bien faite. Et tu as autant les étagères que les petits tiroirs, que les petits. Elle est magnifique, la bibliothèque, tu sais, c'est comme Ouais. une super cuisine aménagée ou C'est ça. dernier cri, c'est de. Dernier cri, Ouais. super garni, super. Exactement, tu appuies sur des boutons, il y a ça. Puis tu peux même déplacer des lots, je les vois. Ah tiens, ce lot-là, on fait passer là. Et tu sais, il n'y a pas que ça en plus, parce que des fois, ils disent. Moi, je vois les tests de salive aussi. Ouais. Et en fait, il y a tout qui. Ah bah là, du coup, ils ont trouvé le créneau pour alimenter leur base de données, ça c'est sûr, hein. Les Ouais. femmes qui accouchent, hein, les femmes qui accouchent, hein, qu'est-ce que tu crois? Ouais. Je veux dire, ce qui est entre guillemets jeté, ils en gardent des bouts pour aussi pour placer, répertorier, etc., etc. Vraiment? Les opérations. Tout en Bon, fait. là, C'est vraiment important de se couper. ouais, vraiment. Hein. Je viens de préciser, je vais préciser pour ceux qui s'interrogeraient là. Il y a une grosse mouche qui est passée devant la caméra de Nathalie. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une mouche. Non, puis Voilà, en plus pardon. de ça, mais j'ai remarqué, mais elles adorent la caméra. Elles adorent la caméra, ouais. Ouais, la chaleur Ouais. est un peu C'est différente parce que. des mouches superstars. Ouais. Après, il fait froid dehors, enfin froid pour la saison. Ouais. Mais il y a des jours où il y a de la chaleur, de la vraie chaleur. Du coup, sachant que je les ai un peu chassés là, mais il y en a une, effectivement. Et elles, ouais, la caméra dégage plus de chaleur que le reste de l'ordinateur. C'est ça. Donc là, Du coup. elles viennent se placer régulièrement. Mais bon, en si gros plan, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Ok. Ouais. Donc par rapport à ces labos là, une dernière petite chose par rapport aux, comment dirais-je, aux références dites de normalité, de comment dirais-je, de ce qu'on est censé étudier dans une prise de sang par exemple. Donc on va avoir tant de taux de sucre, tant de taux de cholestérol, tant de machin. Et est-ce que ces fameuses bases
normal de taux, là aussi, C'est fiable? c'est Non, fiable, ouais. non, c'est pas Fiable. fiable. Pas du Et tout. c'est fait pour te donner des médocs, quoi. Et c'est fait pour te Mais faire non. peur. C'est fait pour Te faire peur aussi. te faire Ouais. peur, ouais. Te faire peur, te donner des médocs à vie. C'est tout trafiqué, en fait. Ouais. Surtout, le corps humain est une machine tellement subtile. En fait, tu vois, c'est comme la tension. Je veux dire, il y a des gens, ils vont chez le médecin, rien que d'aller chez le médecin et de savoir qu'on va leur prendre la tension, ça monte de 3 points. Ouais, effet Voilà. blouse blanche. Voilà. Alors que, en fait, ils seraient chez eux dans leur canapé, voilà. Et ben, en fait, pour le reste, c'est la même chose. C'est vraiment ce que je voyais au début, c'est que le lieu lui-même, avec tous les gens qui ont. Après, c'est normal, les gens qui sont passés, qui sont malades, les gens qui travaillent là-dedans, qui sont dans la recherche du microbe, de la pathologie, du problème, tout ça fait que c'est une zone hyper anxiogène, y compris d'un point de vue subtil. C'est-à-dire, même si tu t'en rends pas compte, même si tu y vois les doigts dans le nez. Tu vois? Parce que. Quelque part, tu y vas parce que tu as un problème, déjà. Parce qu'on Parce suspecte que tu as qu'on un t'a dit qu'il y problème. avait sûrement un problème, sinon, Ouais. voilà. Et du coup, bah, ouais, les taux sont pas fiables. Les taux sont pas fiables. Non, et puis en fait, moi, je vois même que ils disent, ah bah là, on va mettre ça, parce qu'en fait, bah, ils savent pas. Il y a des trucs qui sont même pas... Ils n'ont même pas cherché à savoir, à comprendre comment ça fonctionne. Eh ben tiens, on va mettre ça là. Alors quand tu dis on va mettre ça, Va mettre, c'est-à-dire on va écrire n'importe quoi. On que va la écrire. normale c'est tant de machin et ça c'est... Ben, il y en a, il y a quelques trucs. Et ben d'ailleurs, ils savent pas, ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas été cherchés, ils n'ont pas compris comment le corps fonctionnait. Donc c'est des données mises comme ça, des fois. Ça reflète pas toujours la vérité, en fait. Et après, moi, quand j'ai fait ma formation pour être naturo, Ouais. à cette époque-là, donc il y a 30 ans, un diagnostic sur deux était faux. Voilà, selon les chiffres. Les chiffres officiels Ah qui. ouais. Donc, et ça ne s'est pas arrangé. Parce Ah ouais, que, c'est pas parce ce que en fait, eux, ils se focalisent sur le problème. La zone que... qui a un problème, donc Oui. c'est Oui, ils comme prennent pas la... ça marche pas comme ça, moi. Eh oui. Eh oui, bien sûr. Du coup, pour modifier leur référence de normes, est-ce qu'ils ont tendance à, du coup, à faire bouger les chiffres? C'est-à-dire que ça doit être normalement compris entre temps et temps. Et c'est pour ça qu'ils changent souvent les méthodes, parce que souvent, tu vois, sur les résultats, par exemple, selon la méthode, ta 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 ta. Du coup, ça permet de... Même si tu reprends, par exemple, des analyses d'il y a 10 ans, c'est plus les mêmes méthodes, donc du coup, t'as plus les mêmes normes. C'est compliqué, du coup, de... Mais après, enfin, de plus en plus de médecins actuellement sont quand même en train de dire que la soi-disant chasse au cholestérol, enfin, on a donné des médocs à des gens alors qu'en fait, ils n'en avaient pas besoin. C'était un Bah faux problème. oui. Les avancées, a priori, les avancées technologiques d'investigation et tout ça, comme la mammographie, vont leur montrer que dans plein de domaines, ils ont fait fausse route. Et qu'on a dit des choses à des gens, et c'est le fait de leur dire qu'a créé le problème. Ouais, bien sûr. Comme le fait d'aller au labo, déjà, te met en stress. Ou le fait d'aller à l'hôpital te met en stress. Ou le fait de passer un scanner, c'est bon, tu te vois une tumeur au cerveau avant même de commencer. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le pouvoir de la suggestion. Donc. Complètement. Bon, c'est super intéressant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil pour quelqu'un qui est censé aller faire une prise de sang ou un machin et qui a besoin d'aller de se rendre dans un labo là?
Donc. Il faut qu'il se coupe. Il faut qu'il se coupe de ce qu'il a donné. Ouais. Enfin, surtout du sang qu'il a donné, quoi. Du sang qu'il a donné, il faut. Prendre en Ouais, charge. prendre en Vaudrait mieux charge que ça fasse ses la peurs. maison. Ouais. Ouais. Et puis, t'es quand même mieux si tu te fais faire la prise de sang de la maison plutôt que d'aller au labo. Ouais. Ça, c'est vrai que. Mais il faut te couper, hein, faut Oui. absolument te couper. Ouais. Ok. Bon, vous avez autre chose à apporter sur ce sujet, les filles? Non, c'est bon. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces infos super, super intéressantes. Merci à vous en tout cas de liker, de vous abonner, de commenter et de nous retrouver chaque jour pour une nouvelle enquête. Merci à vous tous. À bientôt.